Un séminaire de renforcement de capacités contre le terrorisme des armées des États d'Afrique de l'Ouest, des départements ministériels et la société civile. Il répond aux principes du Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan, créé par le gouvernement du Ghana, en collaboration avec la communauté internationale, pour fournir un soutien dirigé par l'Afrique aux efforts de paix et de sécurité en Afrique et au-delà. D'où le thème. Renforcement des capacités de réponse des acteurs étatiques et de la société civile sur le terrorisme et l'extrémisme violent dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Il faut une lutte concertée. Il faut mettre ensemble les forces. On a compris qu'à ce phénomène-là, qui ne connaît pas de frontières, il faut une lutte ordonnée, coordonnée. Après l'ouverture de la session de formation, les 25 participants se sont rendus à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Ils ont pu s'imprégner de ses objectifs de création qui reposent sur trois piliers, notamment l'école des cadres, l'espace d'entraînement des unités spéciales et spécialisées et l'Institut de recherche stratégique, avec pour objectif de créer une communauté et susciter une culture commune de contre-terrorisme, renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte antiterroriste et améliorer la coordination interministérielle de tous les acteurs impliqués. À l'issue des 4 jours de travaux, les participants sont répartis avec des diplômes de participation. La lutte contre le terrorisme ne saurait être efficace sans l'intégration de la coopération, de la coordination et de la collaboration entre tous. La sensibilisation sur ce phénomène des temps modernes ainsi qu'une forte résilience des populations demeure un enjeu primordial. Alors, c'est beaucoup important pour nous d'aider les différents pays à renforcer leurs liens de sécurité et à pouvoir combattre cela. Cette session de formation a été organisée par le Centre international Kofi Annan en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et le gouvernement du Japon.